nous nous réveillons, il fait froid. Mais banane, je crois qu'il va falloir laver la couette. Non, quand même pas. Ah si, mais ça vient de quoi? Cette nuit, j'avais froid. On a vu un message, déjà en Guadeloupe, il a fait 17 degrés. Ouais. En Guadeloupe, hier. Froid. Et ça viendrait de cette dépression, en fait, qui a apporté du vent du nord. C'est le nord. C'est le nord. On nous a dit qu'avec quoi il y avait un mec à causer de chez Maxwell. Maxwell qualité filtre. Ce n'est pas la peine. En rajouter. En plus de faire du café, ben, il paraît qu'il remplit une bouteille de Yaz. Et on aimerait bien qu'il nous remplisse celle d'Australie. Ça serait vraiment bien. Tu as un détendeur d'Australie? Poussez-vous, c'est nous qui arrivons. Hop, on envoie. Allez, c'est nous passer, Black Devil. On retourne au bateau chercher la bouteille de Yaz et on retourne là-bas. C'est un marchand de fruits et légumes qui remplit le gaz. C'est pas lui en fait qui remplit. Non mais c'est son ami, il sert de dépôt en fait. La vie a repris, ben, c'est quand même agréable. Hein, les restaurants sont ouverts. Oui c'est bien, il y a de l'ambiance. C'est, bah, pour nous, vous savez, avec la jacuzzi, ça fait un peu trop de monde pour nous. Et attention, on va se faire écraser banane. On trouve un peu de tout en fruits et légumes, sauf que c'est pas donné. Hein. 5 euros la livre de tomates. La livre c'est 500 grammes. 3 euros les 6 citrons. Alors ils ont des beaux fruits et légumes, mais ils ne touchent pas du coup, comme dirait Jacques. Ouais, j'ai dit ça. Oui. Toujours à Bécoué. Et petite promenade à l'intérieur des terres. Donc on va passer de l'autre côté de l'île. Et on va faire la clairance au Safeclear. Le Safeclear, maintenant, ça fonctionne très très bien sur la totalité de Saint-Vincent-et-Grenadines. Il y a un ordinateur qui est mis à disposition. Moi, je vais faire d'internet, directement du bateau. Et ça informatise. Enfin, et ça je trouve ça vraiment très très bien, on gagne du temps parce qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un an, on écrivait sur du carbone. Et si on n'appuyait pas assez fort pour les 5 pages, il fallait recommencer. Que là, tout est informatisé, donc c'est plus rapide et beaucoup plus pratique. Alors c'est vraiment très très simple. Pays de départ, la date de départ, on est le 12, c'est demain le 13. Le bateau, comme je suis déjà enregistré dessus, voilà, hop, Black Lion. Port de départ, bah, ça va être Bécoué. Port de destination, on va arriver sur Sainte-Anne. Et les raisons de la visite, pléchure. Il y aurait eu Clément, j'aurais marqué Clément. La liste, eh ben, je suis déjà inscrit. Hop, moi et ma petite femme. Next, no, 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 no. Pas d'alcool, rien du tout. C'est aussi simple que ça. Il était temps que ça se fasse. Ça existait déjà, mais ça marchait pas vraiment bien. Imaginez ça pour tous les pays du monde. Ah voilà, il faudrait une clairance universelle. Un site unique comme Safeclear, par exemple, qui est très très simple. Tous les pays y seraient reliés. Et ils auraient exactement nos dates d'arrivée, notre intention, le bateau où on est, l'équipage. Tout serait enregistré. Puisqu'on est suivi maintenant avec l'AIS et les satellites et tout le reste. Il est temps maintenant de changer tout ça. On va aller avec notre numéro de notification. Ils ont juste imprimé la feuille. Un coup de tampon. Tiens, on va faire classe. Et n'oublie pas le tampon Black Lion. Ça fait classe quand on a le tampon Black Lion. Là, vous êtes ici, mais vous avez un tampon. Là, vous êtes là. Bah, il est un peu gros notre tampon. Non, c'est pas du tampon qui bistouille. Le nom du bateau, l'immatriculation, le call sign, le numéro MMSI, l'adresse postale, le nom du capitaine et le numéro d'Iridium. Enfin bon, le numéro d'Iridium, c'est plus celui-là. Les petites promenades sur les hauteurs de Bécoué, en fait, on l'a jamais fait. Et ça va nous décrasser un petit peu, là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché. Where is Black Lion? Black Lion is in the kitchen. On s'éloigne du milieu touristique, on prend de la hauteur, aller plus haut. C'est beau, mais c'est loin. Hein. C'est loin. Et ben, c'est pas le Bécoué pour couler d'en bas en fait, ça c'est le Bécoué d'en haut. Non, mais là il n'y a pas de touristes. Et alors. Ici c'est sauvage, on est en harmonie avec les fleurs, les citrouilles. Vous savez, ma patate. Ça m'a dit, j'ai l'impression qu'on a repris le voyage, ben, moi aussi. On se voit derrière en train de peiner.
camions, quasiment plus de voitures. Ça va être le temps pour nous de quitter bientôt Bécoué. Comme prévu, le vent ressouffle légèrement, c'est du 5-10 nœuds. Dans la nuit, il devrait s'établir un peu plus nord-est, est, sud-est demain pour pouvoir repartir sur la Martinique. Ça, c'est une bonne chose de fait. On a récupéré la bouteille de gaz, donc j'y croyais pas trop parce que on a fait Saint-Martin, Martinique, Guadeloupe, rien ne le fait. On a fait Union, Cariacou. Rien ne fait. Et c'est à Bécoué. Et finalement, on vient de rentrer du chipchonneur de Bécoué et elle est bien achalandée, quoi. On est assez surpris. Et le gaz, bah, c'est dans un magasin de fruits et légumes. Juste là, c'est le mec qui remplit le gasoil directement au bateau. L'eau, le gasoil et la lessive. Docteur Jacouille, il va vous parler de quelque chose. En bateau, on en discute de temps en temps avec les femmes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement pour les femmes, sous les tropiques, de faire des infections urinaires, des cystites. Donc là, ça concerne donc la copine de Jonathan. Qui est là depuis pas très longtemps. Pas très longtemps, et elle a fait beaucoup de fièvre, elle a mal au rein, et on pense que c'est une infection urinaire. Et dans la pharmacie de mètres de distance, on vient de s'apercevoir qu'il y avait, avant de donner n'importe quoi, un autotest d'infection urinaire. Quatre paramètres qui permettent de détecter les infections urinaires. Et comme ça, on pourra lui donner la médication adéquate si elle est allergique à rien, évidemment. A few moments later. Ceci est un message de Jacouille. C'était très intéressant. Merci encore, Vincent, de m'aider distance. Nous avons appelé notre amie chirurgienne qui a pu nous dire quoi faire. Et donc, on avait tous les médicaments sur place. Donc, c'est super. Entre notre amie et Vincent, Médidistance. D'ailleurs, notre ami était très surprise qu'on ait tous les médicaments à bord. Ouais, on avait tout. C'était très intéressant. Je me suis fait avoir les bananes. Elle aussi qu'elle m'a eu là. Cette vieille, je te fasse un port au sucre ce soir, c'est que le voyage reprend. Là, c'est sûr qu'on n'a plus de problème là. Ça y est, on est reparti là. On devient comme avant. Je reviens de la douche et regardez ce qu'elle est en train de préparer. Je dis, oula, si ce sont les recettes de Jacouille, elle a filmé ça. Si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Hein. Un port au sucre, les bananes, ça fait longtemps que j'ai pas fait de recette. Ouais, hein. Ben là, je vais prendre un petit rhum. Hein. On va prendre le petit rhum d'abord et puis on prépare après. Recette de Jacouille, à Bécoué. Ok, c'est parti. Avec Jacouille, la fripouille, on ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Mais ça me casse les couilles. Arrête. Que des couilles. Non, c'est pas vrai. Tu montres pas et voilà, ça commence, c'est parti. Ça n'a rien à voir là, j'ai goûté mon riz. Le riz, il est prêt. Voilà. C'est dommage parce que je t'ai pas montré, regardez ça, ce sont des petits morceaux cubiques de côte de porc que Jacouille a découpé avec amour. Avec amour ? Huile d'olive. Elle a pas tourné la viande, c'est une drôle d'odeur. Mais non, ils sont super bons que tu racontes. Approche ton haleine, quoi. Côte de porc coupée en morceaux ou échine, enfin ce que vous voulez. Oignon rouge. Normalement c'est de l'oignon normal, mais j'aime bien l'oignon rouge. De l'ail, de la ciboulette, de l'eau. Normalement c'est 5 cuillères à soupe de sucre. Là j'en ai mis que 4. 4 cuillères à soupe, comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Non. De l'huile de poisson, la chinoise là. Du nyokman. Moi j'aime pas trop le nyokman, alors j'ai mis de la sauce huître. C'est un peu pareil. Enfin non, c'est plus épais, mais c'est bon. Un peu d'huile d'olive. Et nous allons faire revenir l'oignon et l'ail. Je fais revenir et tu reviens après. Quel humour de merde. Je me demande qui a été son maître. Je vous le dis, ma gazinière, elle est au top. Oui, ça on le sait, c'est bon, arrête de te vanter. Ma gazinière, c'est une whirlpool. Alors, une whirlpool. Mesdames, oui. Mesdames, sachez que les messieurs peuvent vous faire de la place dans le bateau pour vous mettre une vraie gazinière de maison et pas un truc de bateau. Ça me comme si j'avais pas ça à faire, vous êtes en train de faire des leçons de morale comme ça pour avoir une gazinière. Bon, c'est pas bateau, une leçon de morale. Tiens, mais attends, mais j'ai trop de rush sur la vidéo là, elle m'en rajoute et je suis. Alors, je croyais que j'avais fait une recette de Jacouille, je suis chez Darty, je suis chez But là, je fais de l'électroménager, merde. On n'est pas prêt de vous voir, vous savez. Allez, maintenant le cul. Non, mais c'est allez, vrai. Oui, à chaque allez. Fois, ils nous disent... Ouais, non, mais c'est bon, on a compris. Allez, c'est bon. Et vas-y. Donc, je mets mes oignons et je mets de l'ail.
Tu les fais dorer? Bah oui, je vais dorer. Alors, que dans la casserole que vous avez mis sur le feu, vous rajoutez votre 4 cuillères de sucre avec une cuillère à soupe d'eau. Et vous faites du caramel. À vue d'œil, moi je ne m'y connais pas en cuillère à soupe. Et je pense qu'il y avait plus qu'une cuillère à soupe. C'est pas grave, ça va s'évaporer. T'as un problème avec ça? On n'est pas chez des grands cuistots gastronomiques. Je prends une cuillère à soupe. Attends. C'est infini, non. Ouais. Une. T'es en train de te faire des rushs pour rien là. Mais arrête, tu reprends dans la même eau. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a au moins 4 cuillères à soupe. Mais t'as fini un peu? Finalement, je me demande si on est, c'est pas mieux qu'on ait plein de problèmes sur le bateau. Ah non, tu dis pas ça. Hein. Mais attends, mais. Elle me dit des morceaux de. Les gens vus. C'est pas une grosse odeur. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Je vois si j'ai mon nez pas trop près de ta bouche là. Il arrête pas de dire qu'il faut que je sens mauvais de la bouche, ça m'énerve. Natacha, ma dentiste préférée. Tu m'as refait toutes mes dents. S'il te plaît, fais le tartrage à Magali parce que la jacouille, parce que là. Et puis de la bouche. J'ai l'impression de vivre avec un poney, moi. Ah, tu pousses le bouchon un peu trop loin. C'est bon, vas-y. Quoi? Bah, je te dirai quand c'est prêt. Ah, j'y vais. Oh, bah, j'y vais. Le caramel, la viande est revenue. On enlève le feu du caramel. Tu éteins le feu du caramel. On rajoute la sauce soja. On mélange. Ça n'a pas l'air dégueu ce truc-là. On va rajouter la sauce huître. On mélange. Et ensuite, on mélange au porc. Je rajoute un petit peu. Mais si on est à la marina? Comment ça? Est-ce que tu mélanges au porc, au marina? Porc, marina. Encore une blague à chou. C'est pour montrer mes belles dents. Oula, ça commence à sentir mon choupi. Tu sens? Ben, non, c'est bizarre, parce que je trouve qu'il y a une drôle d'odeur. Il m'énerve. Je jure qu'il m'énerve. Je t'énerve alors que tu m'as harcelé sexuellement pour que je te fasse la recette de jacouille. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tu dis n'importe quoi, mon pauvre Jacques. Ouh, la petite sauce, elle est pas mal. Vous mettez la ciboulette par-dessus. Un peu de piment pour mon choupi. Bon appétit. Ça me fait penser au canigou. Vous vous souvenez du canigou? Oh. Je vais vous le mettre en image. Le lion a un pelage un peu terne, hein. Que tu lui rajoutes des oligo-éléments et des vitamines. Bien compris. Le problème avec les animaux, c'est d'équilibrer leur alimentation. C'est tout un métier. Je fais confiance à l'expérience de canigou et ronron. Ils connaissent tous leurs besoins en viande. Mais t'es ouvert une boîte de canigou, bébé. Mais là, c'est vraiment pas gentil, hein. Là, t'es pas sympa du tout. Ça s'appelait de l'humour. Voilà. Merci. À cause de vous, je me suis fait engueuler. Merci beaucoup, les bananes. Verdict. Alors? C'est très bon. Sauf que... Ça manque de cuisson. Voilà, exactement. J'aurais voulu que le porc soit un peu plus tendre. Tu veux que je refasse cuire? Non. Attendrir le porc, peut-être avant, c'est très très bon. C'est le porc au sucre, c'est vraiment ça. Ok. J'ai vu que c'est chaud. Voilà. Je t'ai dit, laisse-moi finir de ranger. Je viens de dire, arrête de faire du bruit. Je t'ai dit, tu me laisses finir de ranger. Mais tu finis, on fait ce que madame décide. Voilà. Et après, on dit que c'est moi le capitaine, mais je le dis en fait. C'est du mensonge. On vous a menti sur un truc, c'est ça, sur le bateau. Voilà, il n'y a qu'une capitaine, c'est elle. Bien sûr. On va faire un petit point météo pour demain. Donc le vent, comme prévu, il s'est mis à ressouffler, tout doucement, 5-10 nœuds. Il est en train de tourner tout doucement. Et malheureusement pour nous, je crois qu'il a tardé à passer un peu plus sud-est dans la soirée. Donc on va partir avec du nord-est. J'ai fait un petit départ demain matin à 5h. Ça sera du 10 nœuds nord-est. Mais là, on va aller par là. Donc on va partir. On suit bien toujours le petit bateau. On s'en va, on sera au bon plein. On sera sous le vent de Saint-Vincent. Et là, ils annoncent de la pluie. Et la pluie va nous suivre derrière légèrement. Et par contre, c'est plus du nord-nord-est. Donc là, on va avoir du vent au pré. Et il va s'établir un peu plus est. Et la pluie va s'intensifier quand on va arriver à Sainte-Lucie. Mais a priori, demain, le temps se gâte. Bonjour les bananes, 4h30, à l'hélicoptère 5h, j'ai pas très bien dormi. Pas bien dormi du tout même. Allez, on s'en va à Martinique. 90 000 à faire. Si le temps est mauvais, on s'arrêtera avant. Vous nous voyez?
Jacques Moulin me dire, c'est chiant avec tout ce qui nous est arrivé, on a l'angoisse du nourrisson maintenant quand on s'en va. C'est tout à fait ça. On est parti, on a pris un riz dans la grand voie, il n'y a pas trop de vent pour l'instant, j'appuie sur un moteur. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Ça faceille, on est vent de face. C'était du nord-nord-est prévu, sans trop de vent au départ. On a fait un petit peu de voile. Là, j'appuie sur un moteur. On ne veut pas trop traîner. C'est le bon test des moteurs. Toujours petite appréhension. Nous arrivons au sud de Saint-Vincent. Et j'espère que je n'ai pas fait une connerie, puisque j'ai attendu que le vent se lève pour pouvoir partir de Bécouy. Le vent revient, mais le temps change en même temps que le vent. Il y a des nuages, ils ne sont pas très menaçants par rapport à d'habitude, par rapport aux grains qu'on peut avoir. Et au cas où, on s'arrêtera à Sainte-Lucie, au nord de Sainte-Lucie. Donc on va passer le premier canal, ça c'est le canal entre les îles du Vent et Saint-Vincent. Passons donc de bonne heure le long de Saint-Vincent. Il y a différents types de pêche. Il y en a un qui rame assez loin vers le large, sûrement pour pêcher à la palangre. Il y en a un qui pêche à la traîne. Et un autre là, il est en train de pêcher sur une planche. On aurait dit en fait un cadavre au début sur une planche. Je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, avec un masque, il est en train de sûrement de regarder, savoir où est-ce qu'il y a des trous avec des poissons pour mettre sa ligne dedans. Ça c'est la jacouille, elle pense qu'elle a fini. Elle est à fond dans son livre. Entre Bécoué et Saint-Vincent, je n'ai pas vu l'ombre d'une sargasse. Un très très grand plaisir, parce que c'est une calamité pour la navigation. Je longe la côte comme ça du nord-est pour être lofé au maximum pour pouvoir abattre sur Sainte-Lucie. Ils annoncent du 10-15 nœuds dans le canal. Pour vous mettre dans l'ambiance, il y a plein de feux de bois, mais parce qu'il fait frais, mais réellement, hein, vous allez rigoler parce que il fait frais. Plein de fumée de feux de bois qui s'émanent en fait de la terre. On a toujours dit, nous ça sent le Vanuatu, ça sent la Papouasie, parce que là-bas ils n'ont que ça pour faire la nourriture, se chauffer. Se réchauffer, voilà, on vous met dans l'ambiance, c'est banane. On a un crochet sur la patte d'oie, on a eu plusieurs crochets, il y en a qui mettent des manilles. Alors la manille c'est très bien, ça s'en va pas, mais si le bateau venait à chasser en urgence, il faut vite retirer la manille. On a ça, ça se met entre deux maillons. Alors ça m'énerve, quand il n'y a pas de vent, ça se décroche tout seul. Donc ça commence vraiment à me saouler, ça se retrouve la chaîne seule sur le davier. Avant on avait un crochet qui était très bien mais qui cassait. On a eu deux, ils ont cassé. C'est un truc qui se pareil, qui se met entre les deux maillons, mais il y a un petit pin qui retient le maillon pour éviter que ça s'en aille. Le problème c'est que ça casse. Après on avait aussi une espèce de S comme ça. On avait un S qui se mettait devant, ça cassait. Ça c'était pas très cher. On pourrait remettre ça. Nous passons juste à côté du volcan qui était rentré en éruption donc l'année dernière. Et on voit très très bien distinctement les coulées de lave. Il reste plus que les cendres sur le rivage. Ouh là là, attention, on est dans un courant. Ouh là, il y a plein de morceaux de bois. C'est pas le moment, c'est pour un truc dans les hélices. Quoi ce courant là? On arrive sur la pointe nord de Saint-Vincent. Comme le vent est annoncé nord-est, j'ai longé la côte pour être au plus nord de la côte pour pouvoir prendre un meilleur angle sur Sainte-Lucie. Et le monocoque qui est devant nous est un bon indicateur, savoir comment va être le vent. Le problème c'est qu'il n'a pas encore mis la voile, ça veut dire qu'il y a vent de face, ça veut dire que le vent va être nord au départ. Ça y est, il vient de mettre les voiles, il est dans le vent. Je vois que ça moutonne juste derrière lui. Oh oh oh, les belles rafales. Regardez comment il t'agite. Et devant nous là-bas, un autre catamaran, lui il n'a pas encore touché le vent. On voit très très bien la démarcation, peut-être pas sur la caméra, mais là où est le vent. On peut dire qu'il doit y avoir du 15 nœuds, 15-20 nœuds là sur la pointe. Et hop, il est dans la dévente. Ou alors il prend un riz. En nord de Saint-Vincent, nous on a un mauvais souvenir avec pirate.com, notre premier bateau. Et on s'est fait surprendre avec plus de 40 nœuds juste sur la pointe. Bon là ça va, ils n'annoncent pas trop de vent, donc je pense que ça va être du 15-20 nœuds, du 25, mais c'est toujours bizarre de passer de 0 à 20-25 nœuds quoi. Je pense qu'on va pas tarder.
a touché le vent, on est à 8 nœuds de vent et dans 50 mètres, il va y avoir un effet Venturi. Et comme c'est nord-est, ben, le vent va arriver directement de là. Est-ce que vous sentez sous votre visage le vent qui va souffler? Ça y est, on est dedans. Vous entendez le vent? Allez, on va aller voir. 22 nœuds vent apparent, 17 nœuds vent vrai. Attention à cette pointe-là. Ils annoncent 15 nœuds normalement là, sur le canal de Saint-Vincent. On est au pré serré, on n'a pas le bon cap. Voilà pourquoi je suis remonté directement là. Mais si on garde ce cap-là, c'est déjà pas mal. La bonne nouvelle, c'est que la mer est relativement calme. On se traîne, hein, sur notre Genève, on se traîne toujours. Mais par contre, il est très très calme. On profite de ces instants parce que la Isée va reprendre après une semaine de pétole. Ça commence à se couvrir tout doucement. C'est annoncé pour 14h les premières pluies. Lui reste assez haut, pas très menaçant, mais à partir de maintenant on va bien surveiller parce que je sens que il risque d'y en avoir. Donc ça serait bien qu'on arrive sur Sainte-Lucie. On arrive à Sainte-Lucie, au sud de Sainte-Lucie. Le vent diminue un petit peu, le canal a été vraiment clément avec nous. On va sûrement s'arrêter à Rennes-les-Bains, on va laisser passer le mauvais temps. C'est pas une nuit qui va changer quelque chose pour nous. 10 000 et le vent s'est arrêté, net. C'est ici qu'on a cassé le dumper la dernière fois, quasiment. J'y vais au moteur, je teste le moteur tribord et je me rapproche de la terre. On va avoir fait 45 000 de moteur. Alors c'est bien, hein, ça conteste les moteurs. Hein. Là ça y est, on retombe dans les sargasses. Moi j'ai pas de plaisir. Ouais. Voilà pourquoi. Parce que les voiles, voilà, elles en prennent un coup dans la gueule. Il n'y a pas de vent et la houle elle est comme ça. Badaboum, badaboum. Et je suis content parce que mon petit Roy, qui a fait 4 tours du monde, l'autre jour j'en parlais avec lui quand on l'a revu à Kariakou. Je lui dis que je détestais et la première chose qu'il me dit, mais moi aussi j'aime pas ça du tout. Avec son accent anglais. Oh, ça. Oh, moi non plus. Non. Non, oh, is wish. Oh, moi non plus, je n'aime pas du tout. Ça m'a rassuré parce que lui a fait 4 tours du monde pour le grand voyage. C'est chiant. Je trouve qu'on a cassé énormément de choses depuis qu'on est là. Le bateau force énormément, c'est tout à fait. Voilà pourquoi. Après, ça n'engage que moi. C'est mon avis personnel. Ça, c'est pas beau. Hein. Juste derrière moi, on est sous le vent de Sainte-Lucie. Toutefois, ça va être très très menaçant. On affalera la AGV, on rangera le foc et on mettra les deux moteurs. Par sécurité, on va baisser la AGV. De toute façon, on est en pleine face. L'efficacité de Weather 4D. Je n'invente rien, c'est pas moi qui fais, ce sont les modèles. C'était bien annoncé. 2 heures, il m'avait dit. J'ai mis les deux moteurs et je les pousse à fond. Pourquoi? Vous allez dire, il est bête, tu vas pouvoir tout ça. Je teste les moteurs de Black Lion pour être sûr que tout marche bien quand on passera le canal de Panama. De toute façon, on n'a pas le choix. On a le vent de face et quoi, il n'y a pas de vent, il y a le vent de face. Et le grain, regardez derrière là, il est déjà tombé là-bas. Il n'y a pas eu de vent. Et on arrive dans un peu plus d'une heure. On va s'arrêter comme à Rennes-les-Bains. On va se reposer comme ça. On n'arrivera pas de nuit à la Martinique. À 30 minutes d'arrivée. Ah, la navigation aux Antilles, ça va nous manquer quand on va partir à ça. Hein. Ça va nous manquer. C'est dégagé de la terre et on est en train de partir en mer. Et là, en mer, risque de se renforcer. On est bientôt arrivé, encore 25 minutes. Son kawaii, hein? J'ai préparé l'alarme de mouillage, j'ai mon ancienne crasse et on va arriver sous ce temps là. Coucou! C'est bien des fois d'être capitaine. À la jacouille! T'auras pas
pas besoin de te doucher pour voir pour côté les choses. Non mais ça dérape, il veut rester là. Et alors Jacouille, elle me fait changer de place. On dérape les bananes. Mais je sais pas ce que je vais lui faire, hein. Après on va pas dormir, mais c'est pas bien toi. Hey. Tu crois que les ennuis c'est pas bon là? L'intelligence du mal. Oui c'est ça. Qui sait qui a eu l'idée de changer de gaz ce soir même? Ok, pour okay. Ça va quoi. Okay. La bouteille nous a lâché ce soir même. C'est quand même que des bonnes nouvelles. Le gaz, il nous lâche à quelques heures d'arrivée à la Martinique. On a du gaz. Les moteurs, eh ben, c'est la première fois que je crois qu'on fait autant de moteurs comme ça sur la remontée des Antilles. Comme on n'a pas de générateur en plus, eh ben, les moteurs ils ont très très bien marché. Je touche de la peau de singe. Et on est arrivé et voilà, ça chassait à Jacouille. Tu changes de place, malgré que ce soit moi le capitaine, c'est lui qui a eu gain de cause. Donc je pense quand même qu'elle avait raison, mais ça, ne le répétez pas. Une belle petite nuit réparatrice. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un souci pour ça, René Bess, c'est très très bien. Ça évite de naviguer de nuit. Et on va nous reste 21 000 jusqu'à la Martinique. On va avoir un petit vent de nord-est. On va être au près encore, pour rien changer. Donc Saint-Lucie, 15-22. Ouais, est-ce qu'il y a neige à couille ce matin hein? Non, mais bien. Ah, c'est bon, maintenant, depuis que madame elle est d'un renom, elle rentre à l'Académie française de l'écriture. Ah, je me fais jeter. Hein. Non, mais ah, mais j'ai pas compris. Avant, mais c'est vaché connard, maintenant, c'est. Je vous en prie, allez faire prout-prout dans un coin. Je ne saurais m'empêcher de dormir. Mais t'arrêtes de dire n'importe quoi. Ah, elle a pris une langue comme ça, la grosse. Arrête, bébé, s'il te plaît. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Non, tu dis n'importe quoi. Ouh, c'est quel. Tu m'énerves. Ah, vous voyez? Vous m'énervez quand c'est comme ça. Elle me voit maintenant, en plus. Donc, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il a? Vous connaissez pas Jacouille sous ses vrais jours. Elle fait rote. Un rototo. Elle fait un rototo, elle rote, mais. Et toi, tu l'as. Oui, on dirait Shrek, on dirait Shrek. Et non, tu l'as. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Il y avait un petit poisson. Hein? Tu l'as? Allez, vas-y, remonte. Vous commencerez à mon top. Ah, les bananes, ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. Hein? Oh là là, il est loin là. Mesdames et messieurs, nous avons des ennuis. Clermont-Ferrand n'est pas prêt. Les bananes, c'est à Marlin. C'est que le voyage reprend vraiment, bébé. Où j'en chie? Il est plus très loin là. Ça a l'air gros quand même, non? Il a coulé ou quoi? Dur, dur, hein? Mais il a plongé, hein, quoi. Il va passer sous le bateau, ce couillon. Aïe, 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 aïe. Et là, il rattrape le bateau. Je crois qu'il faut pas aller plus vite, là. Purée. Aïe, 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 il est mouliné, là. Il va tout péter, il va tout péter. Je le vois même pas au fond. Il va tout casser. Il va tout casser. Aïe, 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 aïe. Laisse-le repartir, sinon. Ça fait pas mal, hein. Il part sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, aïe, aïe. Attention, le... Le générateur, putain, mal. Aïe, 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 aïe. Laisse-le repartir, sinon, bébé. Il va se fatiguer. Il a l'air d'être bien accroché. Il est là, je le vois. Ça y est. Ah, il repart. Il est pas très loin. Mais j'ai l'impression qu'il est super bien accroché. Hein. Où c'est qu'il va se mettre, ce couillon? Il n'a pas les combien? Une heure? Non. Ah là 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 là. Ouais, je le vois, mais... Ah là là. Si tu vois que ça force trop, tu lâches, hein, bébé, hein, tu laisses repartir. Hein. Je le vois. Il est pas très loin. Hein. Ah, il remonte. Il faut qu'il se fatigue. Hein. Il est sportif, hein. Il est grand, hein. Ah, ça y est, il est là. Des gants? Attends, je te sors des gants. Il est pas loin là. Tu veux les gants? Il doit être bien accroché, hein? Il va se fatiguer là. Tu veux la gaffe? Tu veux t'accrocher? Oh là là. Ouais. Yeah.
C'est retiré, mon cher. J'en peux plus. Oh, le truc de fou. C'était à combien? 5. J'en ai chié. C'est combien? Ah, je sais pas, il est énorme. Ça va? Je suis épuisé, madame. Ça va? Je suis épuisé, j'ai mal au bras. C'est la récompense au voyage à repli, je suis trop content. Mais j'ai mal au bras, et ben, j'arrivais même pas à le remonter, on a coupé la caméra, j'arrivais même pas à le remonter sur la jupe arrière à 2. Il doit faire, sans déconner, 80 kg, 80-90 kg. Wow. C'est une belle bête, la petite mère. Caleçon avec lequel on a attrapé. Il fait à peine un doigt. Vous voyez pas l'hameçon d'abord? Je sais pas comment il a fait pour tenir, hein, parce qu'il tient pas non plus des masses. Hein. C'est la première fois. Espadon, voilier, oui. Il y a du sang sur le nez. Et là, d'un seul coup, il s'est déroulé, j'ai pensé à un maï-maï. Après, je me suis dit, c'est un espadon voilier, il remontait pas. Ras-le-bol de sa femme, il décida de l'égorger. Une histoire sordide d'une rue. Je suis pas malade là. J'ai les boules. Les bananes, putain, je me suis donné un coup dans le coude. Aïe. Ça me fait flipper les bananes. Je pense repartir encore là. Putain, mais c'est chiant de délire quoi. C'est quoi ce bordel? J'ai jamais eu ça. J'ai toujours mes boules au bon endroit, jamais sur le coude. On a été obligé d'arrêter de filmer. Avec la Jaco, on a même pas réussi à deux à le lisser sur le Black Lion. Ouais. Il est pesé 80-90 kg en comparaison. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, 83 kg, mais alors, ce sera mon dernier mot. Ça va pas la okay. Allez, nous sommes à 4000 de la Martinique. Ça fait comme dans la publicité, vous savez, le ton petit navire, le Captain Iglo, je sais pas quoi là. C'est les gens sont là. Le voilà, le voilà, le voilà. Captain Iglo. Hello les amis, je suis le Capitaine Iglo et je suis allé loin à pêcher de. Le marlin. Black Lion, c'est excellent. La Jaco vient de contacter des restaurants. Ça nous remboursera au cas où. Le Sail Drive. Merci Poséidon. Merci Neptune. Décidément. On fait vraiment les saumons. On revient encore toujours à Sainte-Anne. Putain, mais on y revient. C'est pas prévu. Il y a un an, on aurait dû quitter Sainte-Anne. C'est pas possible. Quoi. Il est beau, hein? Et il est aussi grand que toi, hein? Ouais, je sais pas. Il est magnifique, hein? Aussitôt pêché. Aussitôt vendu. Aussitôt vendu. Aussitôt carénage remboursé. Et les bananes, hein. Ça va oublier le carénage. La LEM, c'est fini là. Hein. Attention, hein, c'est reparti là. Un peu comme balance. Aussitôt pêché. Aussitôt vendu. Aussitôt vendu. Donc bah, ils ont un super prix, hein. Bah, tout le monde est content. Nous on est content, on vient de se faire 300 euros. Et bah, ça nous arrange bien, je vous dis. Voilà. Ça fait, ça remplit la petite caisse de bord, 300 euros pour une navigation. C'est bien, on est content les bananes. Ça c'est pratique, hein. C'est très pratique ça, franchement là pour nettoyer. Ah. Alors comme on est en chance, on va vite ramener le Sail Drive à Dream Yacht, notre Sail Drive pourri. Et il y a eu un vice caché parce que d'extérieur, voilà, quand on l'a acheté, tout est beau, tout est propre, tout est magnifique. Regardez, hop, c'est bien propre, bien nettoyé. Sauf qu'à l'intérieur, c'était plein de sable, d'électrolyse, de toutes les merdes que vous voulez. Quoi. Inutilisable. La jauge, il peut le retirer avec une pince lourdement. Le bouchon est complètement scellé, impossible à retirer. Enfin, bref, c'était impossible à utiliser. Donc on a payé ça 500 balles. Ce matin on a gagné 300.
On va au moins essayer de récupérer la moitié. Alors il y a une bonne nouvelle, a priori on se ferait rembourser demain. On s'octroie un petit restaurant, une fois de plus, ça s'appelle Carénage et tout va bien. Tout va bien, les bananes. Alors peut-être que normalement demain, on devrait récupérer nos 500 euros de Dreamyot. Voilà. Parce qu'on vient d'aller le voir et le monsieur nous a repris l'emballage et nous a dit de revenir demain pour récupérer les sous. L'adhérence. C'est fait. Oh là, c'est trop bizarre, c'est pour la caméra cachot ah non, quoi. C'est quand même bizarre, il va avec des bons trucs. L'aventure reprend, mais normalement en fait. Bon là on va faire les courses à Leader Price. Il n'y aura personne parce qu'ils sont tous en train de regarder le match de foot. Allez la France, Leader Price. Vous avez le ponton annexe juste derrière nous. Vous faites 100 mètres, vous êtes à Leader Price. Franchement c'est super pratique. Je crois que c'est le seul endroit au monde où on a vu ça. Vous arrivez directement avec le caddie au ponton, vous remplissez l'annexe et vous arrivez au bateau. Je sens que ça va être très calme. Je le dis, il va bien les bananes, hein. Il râle. Non, mais attendez, il me fatigue. Non, mais la jacouille, il est en train de vider les Leader Price, elle a racheté la franchise. Regardez, c'est juste Leader Price. Ah bah voilà. Et je trouve pas ce que je veux. 20 mètres et 2 minutes plus tard. Juste 2-3 courses. On est en forme. Voilà. Et ça, on a fait 30 mètres. Moi, ma passion, c'est de faire les courses. Ah ouais. On sort du magasin et au bout du couloir, il y aura les annexes. On aura juste à mettre dans l'annexe et on arrive au bateau. Et au ponton, l'annexe est là. De retour en France, c'est pour ça la France quand même. C'est pratique. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oh là là, les bananes là. Ah mais aujourd'hui, mais c'est un truc de dingue. Efficace les bananes. On fait tout ce qu'on voulait, en plus on a fait des sous. On a récupéré notre carénage. Merci Poséidon, merci Neptune. Dreamyacht, s'ils tiennent leur parole, demain matin 9h30, tout ça bravo. Parce que autant voilà, on le dit. Quand ça va pas, on va nous dire ah, arrêtez de vous plaindre, tout ça. Voilà, ça va pas, mais quand ça va. Ça va. Et on nous dit arrêtez tout votre bonheur, ça vous emmerde. Arrêtez-vous hein. Coup de Rio, ils ont accusé réception de cette embase. Et ils devraient nous rembourser nos 500 euros. Avec une demande le peuple. Allez, un petit bonus lessive. C'est parti, c'est pour moi. Il est 4h, c'est pas fini. Demain la journée est pleine. Les bonnes nouvelles continuent les bananes. Pourquoi ? Nous avons été remboursés. La totalité. Alors, ils sont professionnels. Ils ont reconnu leur tort. Ils savaient peut-être pas parce que c'est en ouvrant le truc. Et ils ont remboursé l'intégralité du Sellerive. Nous avons récupéré nos 500 euros. Donc encore une bonne nouvelle, les bananes. On est trop contents, nous, avec la jacouille. Hein. Vraiment, là, ça fait du bien. On va retrouver nos fistons hier. Et un petit geste sympa, une petite phrase gentille pour ses parents. Il nous a dit demain, on vous amène les croissants, les pains au chocolat. Faut pas avoir la dalle les bananes. Putain, moi je crois que j'ai crevé de faim. Hein. Il est 8h30, je suis sûr qu'il est toujours au lit. Je crois parce que je vois l'annexe derrière. Faut pas être pressé. Hein. On va faire peur à notre petit chacalou. Notre ami qui est là comme ça. Vas-y, tu vas me filmer. Vous savez, c'est Maïté. Oui. J'ai failli jeter le téléphone. Bonjour mon béni, t'as perdu ta femme? Ça part en cacahuète les bananes, moi je vous le dis. A notre grande surprise, notre grand étonnement, on arrive au ponton de Sainte-Anne. Vous savez que Sainte-Anne c'est un des endroits privilégiés de la Martinique, car il est très agréable, le mouillage est assez safe. Écoutez bien, il y avait un grand ponton, il y a toujours un ponton, où on pouvait attacher notre annexe en sécurité à une chaîne mère. Et à notre grand étonnement, nous revenons sur Sainte-Anne. La chaîne mère a été retirée. Ils ont scié les pontées en inox. Ils ont retiré certains taquets d'amarrage. Je pense pour interdire, pour éviter que les plaisanciers viennent avec leur dinghy là-bas. Alors on a fait une enquête exclusive. La jacouille est partie à la mairie pour savoir. Nous voulons savoir parce qu'on entend plein de rumeurs. Il y en a qui disent que c'est à cause du maire, l'association des plaisanciers, et elle va demander gentiment avec son grand sourire, mais qu'est-ce qui se passe exactement avec le ponton? Parce que nous,
on est d'extérieur, comme beaucoup de personnes qui arrivent ici, donc ça fait pas très accueillant quand vous arrivez à Saint-Anne maintenant, assez figé. Elle m'a dit, vous verrez ça avec la police municipale, je ne suis pas habilitée à ça. Après, il est vrai qu'il y avait des poubelles à disposition. J'entends parler qu'il faut payer certaines charges de poubelles, ce qui est presque à la limite presque normal. Pour le gardiennage, être sûr que l'annexe est en sécurité, à la limite, pourquoi pas. Je veux dire, dans les deux sens, il y a certains plaisanciers, ils jettent leur huile de vidange aux poubelles, leurs trucs mécaniques, leurs machines à laver. Et voilà, ça, je trouve que c'est pas très non plus. Alors que c'est bien expliqué aux poubelles et qu'il y a un gros conteneur pour ça aux marins, quand même. Alors, je ne sais pas d'où vient la cause. Le monde de la voie est en train de changer et très rapidement. Malheureusement, dans cette histoire, ça va apporter de l'animosité. Parce que les bateaux, il y en a un paquet à Saint-Anne. Donc les restaurateurs, les magasins, je ne sais pas comment eux vont le vivre et je ne sais pas quel va être l'aboutissement de. Nous, on est juste de passage. Aux Antilles, avec Salou, avec son cadeau, c'est un problème. Donc si on ne peut plus attacher l'annexe, plus personne viendra à Saint-Anne. Hein. Et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Il y a certains plaisanciers, ils sont obligés d'attacher leur annexe à leurs pieds. Alors malheureusement pour eux, ils ne pouvaient pas beaucoup avancer dans la journée et des fois, on les retrouve complètement séchés sur le ponton. Voilà, ça c'est pour la petite blague. De mon petit copain, mon petit ami. Et les bananes, franchement, je suis obligée de filmer ça. Regardez ça. Là, à chaque fois, Chouchpi, il me dit non, mais t'as pas besoin de sous. Et là, comme ça, il vient, là. On est le combien? On est bientôt le 24, hein, on est bientôt Noël. Et là, il me fait, tu veux un petit peu de sous, ma chérie? Tu veux que je te donne? Tu peux me faire un petit cadeau, ma chérie? Oh, tu rigoles, je t'ai donné 100 euros. C'est ça. C'est pas ce cadeau de merde à 100 euros. Je mérite un cadeau à 500 euros, moi, au moins, minimum. Voilà, 1000. Ça tombe bien, on s'est fait rembourser le sel drive. Ah, ouais. Voilà, on y est. Les amis, les bananes. Nos bananes d'amour. Une excellente année 2023. Nous venons de terminer cette dernière vidéo. On a été ensemble pendant tout ce temps. 365 jours, un quart. Une révolution. J'ai pas vérifié juste avant, je crois que c'est ce que j'avais appris en géographie. J'ai cru qu'il aurait dit j'aurais appris ça en histoire, mais en fait c'est en géographie. Ah bon, d'accord. Voilà, avouez, bien avoué. Je souhaite que du bonheur, des belles choses, plein de beaux projets qui vont se réaliser. On espère qu'on sera toujours ensemble l'année prochaine. Que vous serez, quand même, tu crois quoi? Que vous serez toujours autant d'abonnés. Oui. Mais... Quoi? Parce que vous allez ding ding sonner la petite cloche. Non, on va pas le faire là. Non, d'accord. Non, c'est la fin d'année là, c'est okay. Bon, j'en ai marre, tu me secoues la tête comme ça sans arrêt. Enfin bon, si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci, on est d'accord. On vous remercie tous les Patreons, vous avez suivi nos aventures aussi encore plus que les autres cette année, donc on vous remercie grandement et nos partenaires. Merci à tous. Vous avez vu, j'ai mis ma belle robe pour vous souhaiter une bonne année. Oui. Moi j'ai mis mon beau casson Décathlon. Il est tout dégueulasse. Mon t-shirt buvez du rhum et faites des femmes et ouais, buvez de la bière. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Barababor, Ramarabor. Ramarabor. Il a plu. Des rafales de vent et il fait froid. Et regardez ce magnifique coucher de soleil. Adios amigos. On se revoit l'année prochaine et peut-être que je vais m'octroyer une petite semaine de vacances. Peut-être. Voilà, si je vous mets cette vidéo avant le 31, ça veut dire que je me serai octroyé une semaine d'avance. Parce que la vidéo sera terminée. Mais si je vous la mets après le 1er janvier, ça veut dire que la vidéo n'était pas terminée. Enfin bon, elle était terminée. Hein? C'était très intéressant.